Coucou, bonjour tout le monde. Eh bien, me revoilà. Donc, je regarde quand même quelle heure j'ai commencé ma vidéo. Voilà, 15h27, parce que je sais que j'ai pas non plus beaucoup de place pour faire ma vidéo. Donc, voilà. Alors, ben, je reviens avec mon album. J'aimerais bien essayer de finir les pages avec vous là aujourd'hui, mais je ne suis pas sûre. On va voir comment ça va se faire. Ça, j'ai déjà préparé pour la couverture, je ne sais pas encore, mais j'aimerais bien mettre ce papier-là. Voilà. Alors, ce qu'on avait fait hier et que je n'avais pas collé, voilà, c'est ceci, hein. Donc, j'ai mis un ruban comme ça de travers, voilà. Alors, voyez, hop. Donc, ça fait comme ça, voilà. Et donc, ensuite, bon là, il y a des taches. Alors, j'aime pas trop. Voilà, je sais pas. Je vais peut-être remettre un autre papier dessus. Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà. Alors, mince, ça, c'était pour coller le papier. Voilà. Là aussi, alors, je sais pas ce qui s'est passé en fin de compte. Voilà. Alors, là, j'ai rien mis comme papier, mais je sais pas. Ça gondole. Alors, je viens de le voir à l'instant, là, que ça gondolait. Alors, je ne sais pas si je vais mettre peut-être encore un papier quand même là. Là, ben, je n'avais rien mis. Voilà. Donc, là, ben, voilà, ça donne ça. Voilà. Encore une fois, ben, là, j'avais rien mis parce que ben, je me dis pour mettre des photos, quoi. Voilà. Hop, hop. Comme ça. Et comme ça. Attendez, voir. Voilà. Bon, voilà. Comme ça, voilà. C'est ce que je vous avais dit. Donc, j'avais collé tous les papiers. Voilà. Et donc, je l'ai collé hier soir. Voilà. Alors, ça, c'était donc dans le troisième tuto. Et là, on en est au quatrième tuto. Alors, le quatrième tuto, eh bien, voilà. Donc, je recolle, j'ai fait des pages, hein, comme ça. Et on va les coller petit à petit, hein. Donc, je vais mettre mon album un tout petit peu plus loin. Je le récupérerai après. Voilà. Donc moi j'ai déjà découpé donc toutes les comment toutes les pages hein, que je voulais faire. Et puis donc voilà, on n'aura plus qu'à coller parce que sinon j'aurais dû me déplacer pour aller à la Bichotte pour faire les découpes et tout ça. Alors puis je me suis dit que je vais faire encore 5 vidéos quoi si je fais ça. Hein. Donc voilà quoi. Alors je vous montrerai l'album tout fini avec la couverture ben, en dernier quoi. Voilà, je le ferai toute seule et je vous le montrerai, je vous le montrerai à la fin. Voilà, donc là ben, j'avais prévu donc de faire comme ça et comme ça là. Par contre je viens de voir que j'ai pas prévu de papier là, donc il faudra que j'y pense, en remettre. Voilà. Alors sur ce... je vais prendre donc, voilà, donc ma colle et j'ai pas trouvé mon double face simple là pour mettre sur les côtés parce que je me dis que les papiers, bon, bah, ils vont tenir puisqu'ils vont retenir encore avec de la colle. Mais voilà quoi, donc du coup je prendrai ceci. Voilà. On va faire comme on peut hein, et... Parce que le rouge, je veux le garder vraiment en cas de... Ben, quand je fais une structure et tout ça, parce que... Ben, vu qu'on ne peut plus se déplacer, alors... hein, et puis que, ben, de toute façon, le magasin est fermé. Donc, parce que je l'avais acheté. Le rouge, je l'ai acheté à... Comment ça s'appelle? Je suis en train de chercher le nom. Cultura. Donc, du coup, voilà quoi. J'aurais dû en prendre deux, hein. J'y ai pu penser. Hein. Je pensais pas qu'on serait. Je sais pas. Bon, oui, non, je pensais pas qu'on serait confinés comme ça, quoi. Voilà. Donc j'espère que vous, ben, ça va, ça se passe bien, confinement. Voilà. Bon, c'est pas évident. Mais bon, ben, de toute façon, moi, hein. Voilà. J'étais déjà à la maison. Donc. Voilà. Donc là, en voilà un. Il faudra que je pense donc à en remettre un là derrière. Voilà. Ensuite, moi j'ai mis tous des
pour pas les perdre. Mince. Voilà, comme ça. Hop, voilà. C'est fait. Alors ensuite, donc, voilà. Celle-ci, c'est pour mettre en dessous. Tiens, j'en ai prévu une. D'où elle vient, celle-là? Mince. Ah non, celle-là, elle va se mettre là. Oui, d'accord. Voilà. Je range au fur et à mesure. Voilà. Oui, alors, ben, j'espère que vous trouvez des occupations à faire. Et puis, ceux qui ont des petits-enfants, quoi, c'est pas toujours évident, hein, de les occuper. Bon, après, c'est vrai qu'ils ont du boulot, normalement, à faire, quoi, je pense. Hein, c'est bien ce qui a été dit. Donc, mince, je l'ai mis à l'envers. C'est vrai qu'il y a un côté qui est plus grand que l'autre. Mince. Donc voilà quoi, donc, je suppose que vous êtes tous en train de faire faire les devoirs à vos enfants. Une façon de les occuper, voilà. Alors, il gondole mon papier, je ne sais pas ce qu'il a eu. Alors vu qu'il gondole, eh ben, j'ai beaucoup de problèmes pour le coller. Alors ce que je vais faire, c'est que... je vais mettre, hop, une pince. Alors, est-ce que j'en ai une grande plate encore comme ça? Hop, voilà. Là, il gondole aussi, là aussi. Oh là là. Mince. Voilà. Je ne sais pas pourquoi il gondole comme ça. Voilà, donc ben, je vais essayer, voilà, de remettre, ben, je vais remettre de la colle là-dessus. Alors j'espère que ben, en vidéo, ben, j'aurai, du moins en vidéo, oui, que pendant mes vidéos j'aurai assez de colle. Je ne sais pas si j'en ai encore. C'est une catastrophe. C'est vrai qu'on ne se rendait pas compte que ben, qu'on ne peut pas sortir et puis que voilà, quoi, c'est pas évident. Hein. Pour le moindre truc, on ne peut rien faire, quoi. Alors. Alors, hop, j'essaye de mettre comme ça. Après. J'essaierai de voir où je dois le mettre. Celui-ci, je ne sais plus. Ah, je sais, ça y est, c'est une carte en fin de compte. Donc, en fin de compte, si je mets un poids dessus, ça ne sera pas plus mal. Hein. Mais j'ai pas de poids là, sous la main. Alors, je vais faire comme je peux. Hein. Voilà. Et puis, au pire, eh ben, je mettrai un poids... quand je pourrai. Voilà. Hop. Oh, ouais, là, je vois que ça bouge partout. Alors, voilà. Bon, allez. Celui-ci, donc, ça va être une carte qui va aller dessus. Celle-là, j'ai faite comme ça, en fait, compte. Alors, là. Est-ce que je. Non, j'ai peur que ça, ça ne va pas tenir. Donc. Hop, je suis obligée de mettre de la colle comme ça. J'espère. Bon, j'irai voir quand même tout à l'heure. Là, j'irai fouiller encore dans mon placard. Voir si je trouve encore un peu de colle. C'est vrai que j'aurais vraiment pas pensé être en rupture de colle. C'est bien la première fois que ça m'arrive, ça. Je vais vraiment à la fin de tous mes flacons. Hein. Ça, mais oui, j'y ai pu penser. Voilà. Faut pas que je frotte de trop. Le problème, c'est que voilà, dès que j'enlève la colle, ah, c'est pas pratique le papier là, mais bon,
ne faut pas qu'il colle à côté, quoi. Voilà, donc ça, celui-là, il va aller sur le... Voilà, ça va là. Voilà, comme ça. Alors, donc ce que je vais faire, ben voilà, c'est ce que je vous disais, hein, donc je vais prendre ça et... Donc, je ne sais jamais de quel côté ça colle, ce machin-là. Ah, ça vient. Ah! Oh, ça a déchiré le papier. Mince! Punaise! Qu'est-ce que je vais faire? Bon. Je vais voir ce que je vais faire, j'en sais rien. C'est pas vrai! Ah ben comme ça va aller derrière, voilà, ce que je vais faire c'est que je vais mettre un tout petit peu plus loin, voilà, tant pis. Et là je vais prendre un tout petit peu de colle pour coller au moins ce petit bout qui s'est déchiré, voilà. Voilà, et ce que je vais faire c'est que je vais le... Non ben non, je peux pas le mettre tout de suite parce qu'il faut que... Si, mais c'est pas grave, hein. Voilà, c'est... Vaut mieux qu'on voie une petite pliure plutôt que la... Voilà. Donc l'album. Ah oui, mais il faut d'abord que je colle celui-ci aussi. Voilà. Comme ça, c'est ça. Hein. Oui. Oui, voilà. Alors, donc, celui-ci, ben... Est-ce que j'avais fait... Non. C'est là que ça s'est déchiré, donc je vais mettre là pour être plus... ça consolidera un peu plus. Voilà. Non, par contre, oui, ça marche bien avec ce truc-là. Non, hein. Voilà. Ça se voit pas. Et bien voilà. Ça cache. Et ça, mince. Est-ce que ça va pas poser de problème? Non, non, ça va. Parce qu'en fin de compte, je voulais pas l'ouvrir comme ça, mais bon, tant pis. Alors, je pose ça là. Voilà. Ah, mince! Je vérifie qu'il n'y a pas de... Voilà, de colle. Hop. Vous savez que j'ai fait une bêtise. Ben tant pis, il n'y aura pas d'aimant. Il aurait dû avoir un aimant là, pour tenir. Ben tant pis, il a l'air de tenir tout seul sans aimant. Ou sinon, bah, s'il ne tient pas, bah, je mettrai un scratch. Puis c'est tout. J'ai oublié de mettre les mains. Il a l'air de tenir. Génial parce que ça se voit pas là où ça a été déchiré. En fin de compte, c'est tombé en dessous, du moins derrière. Donc voilà, génial. Ben, ça aurait été vraiment embêtant si j'avais pas pu le cacher derrière.
Hop, voilà, voilà, voilà. 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 Parce que je veux pas de colle qui... de traces de colle. Voilà. Voilà. Alors. Ouais, ça va, ça va. Hop. Donc, voilà une autre page. Hein. Voilà. Ah, zut, celui-ci. Ben ça, il va dedans. Ben ouais, mais... hop. Il est encore là, maître. Je ne veux plus savoir où il était, alors ça m'embête un peu. Mais bon, je vais quand même essayer de le mettre dedans. Ouais. Ouais, si on veut, hein. Ça ira pas. Bon, eh ben, je ne le mets pas dedans pour le moment. Eh ben, ce que je vais faire, si je vais le mettre dessus, mais voilà, je ne le mets pas dans la pochette. Voilà. Alors ensuite, voilà, donc, ouais, là, j'ai fait un petit espace là, vous voyez, d'un demi-millimètre pour un petit peu de jeu, ça permet de pouvoir mettre des décos, voilà, alors, ça, je vais essayer de mettre ça. Alors, j'ai une nouvelle idée d'un album que je voudrais faire en vidéo. Voilà. Je vous montrerai ça la prochaine fois. J'en ferai un avant, peut-être, je sais pas, je vais voir. Ah zut, mince. Oui, j'ai fait un grand espace parce que bon, comme c'est du brillant, alors je voulais pas que voilà. Alors là, bon, j'ai utilisé juste un tout petit bout, j'avais plus de double, donc comme je vous avais dit, j'ai plus de double face, donc du coup j'ai utilisé ce qui me restait. Zut, faut que je colle ça avant. Par contre, je ne sais pas ce que ça vaut dans le temps. Hein. Si vous le savez, hein, mais je crois que ça fait pas si longtemps qu'on en a de ça. Mais bon, il faudra que j'aille voir si j'ai de la colle. Sinon, ben, j'achèterai au supermarché hein, de la colle U ou je ne sais pas quoi, s'il y en a, hein, bien sûr. Ben, en tout cas... ça colle vite, hein. Ça, je peux vous le dire. Voilà. Merci. Eh ben voilà. Je crois qu'il n'y en a plus. Ben voilà, voyez. Ça va très vite. Je viens de l'ouvrir hein, devant vous. Hein. C'était mon poubelle. Oh là là. Bon.
Voilà. Alors ça, par contre, je sais que j'en ai. Bon, ben, on va voir ça. Je vais en remettre. Ah, ben, celui-là, je l'avais déjà collé, tiens. Bon, alors, maintenant, je ne sais plus comment on avait... Alors, attendez, parce que je vais aller rechercher... machin là, voilà. Oh zut, oh bah tant pis, je réponds pas. C'est le fixe. De toute façon, bien souvent, c'est des pubs. Ben oui, eux ils ont le droit de travailler, eux par contre. Ça. Faut que je me base au dessin. Voilà. Voilà. Et voilà. Hop. Voilà. Pareil. C'est ça que j'avais peur. Mais je vois que oui, là j'ai pas mis de papier non plus. Oh là là, ben il va falloir que je regarde tout ça pour remettre du papier un peu partout quoi. Ben, j'espère qu'il m'en manque pas plus que ça quoi. Oui, ça c'est collé là, donc c'est bon. Ensuite, celui-ci il va aller se coller de ce côté là. Oui, voilà. Hop, voilà. Je sais pas chez vous, mais alors ici c'est désert, désert, désert. D'habitude il y a toujours plein de gamins qui hurlent et tout. Là, on n'entend plus rien. Les gens arrivent quand même à garder leurs gamins à la maison. Enfin, on est dans un immeuble quand même, et même dans l'immeuble on n'entend rien. J'ai de la chance parce que j'ai un immeuble qui est, comment je dirais, où il n'y a vraiment pas de bruit, les gens sont respectueux et tout, donc c'est génial. Hop, voilà, donc ça là, et ça, ben, comme j'avais dit, ah oui, encore une fois. Bon, encore une fois, j'ai pas mis. Je verrai bien, sinon je remettrai un autre bout de papier pour remettre un aimant. Alors regardez, c'est des aimants comme ça que j'ai acheté. Alors, ils sont bien parce qu'il y a un truc collant derrière. Mais le problème, c'est que j'ai remarqué, ils sont gros. Imaginez, on met un aimant, on va coller l'aimant là. Mais regardez l'épaisseur. C'est drôlement gros, quoi. Je sais pas qu'est-ce que je vais faire avec ça. Mais parce que le suivant, faudra que je le mette là. Est-ce que ça maintiendra bien? Bon, j'en sais rien. Je regarde si ça maintient les autres pages. Oui, ça maintient bien. Oui, ça maintient bien quand même. À part celle-là parce qu'elle n'est pas collée. Mais ils maintiennent bien. Mais le problème, c'est que ça fait un sacré... comment? Je ne sais pas comment je vais coller ça, quoi. Alors, si vous savez, si vous connaissez ces gros aimants-là, dites-le moi. Hein, parce que ça m'intéresse. Hein.
je vais prendre le grand double face rouge, hein, j'ai pas trop le choix parce que... Mince, excusez-moi, je vous ai fait bouger. Ah, il est là, voilà. Hop. Bon, après, j'en ai acheté un autre, là, peut-être utiliser celui-ci, l'autre, mais je sais pas où je l'ai mis. J'en ai un, mais il n'est pas rouge. Alors, je m'étais dit, bon, ben, on verra bien ce qu'il vaut. Mon petit ciseau noir, voilà. Hop là. Allez. Là. Voilà. Ah. Hop. J'ai 5 pages, hein. Donc là on en est à la deuxième. Il y en a encore 3 à faire. Et ça fait une demi-heure qu'on est là. J'arriverai pas à les faire toutes. Hein. Je les ferai hors vidéo et je vous les montrerai. Bon, j'ai fait à peu près tout le temps le même style de page. Hein. Donc, voilà quoi. Après, bon, si vous savez pas, ben, demandez-moi, il n'y a pas de souci. Hein. N'hésitez surtout pas, hein, je suis là pour ça, voilà, c'est ce que j'ai dit déjà tout à l'heure. Voilà, à mon abonné qui m'a demandé conseil en MP, et je suis tout à fait contente qu'on me le demande, quoi, voilà, faut pas vous excuser de me contacter, hein. Si je peux, voilà, je suis là pour ça. Hein. Le scrap, c'est aussi, ça permet aussi ça, hein, le partage entre nous, hein. Voilà. L'entraide, c'est important. Mais alors, ces machins-là rouges, mais qu'est-ce qui colle partout? Non. Ouais, je vais le mettre dans ce sens-là. Voilà. Oui, voilà. Et là. Hop, voilà, je sais qu'il y a l'épaisseur. Voilà, hop, voilà, vous voyez, là, celle-là, j'ai faite comme ça. Donc celle-là, ben, ça va se lever. Après, là, ben, j'ai fini de ce côté-là. Mince, qu'est-ce que j'ai... Oh, c'était ça qui était cool. Oh, zut, j'ai fait tomber une page. Bon. Zut. Ah, c'est pas vrai. Mais tant pis, j'ai sonné. Excusez-moi pour le bruit. C'est ma petite voisine du haut. Alors, tant pis. Je la rappellerai après la vidéo. Oui, je vais la rappeler tout à l'heure, comme je disais. Je sais pas si vous m'avez entendu. Je la rappellerai tout à l'heure. Tant pis. J'ai oublié, j'aurais dû l'appeler avant la vidéo, comme ça j'étais tranquille. Mais bon, j'y ai pu penser.
Ensuite, page suivante. Voilà. Vous voyez, là, je fais que du collage, hein, ben, parce que, bon, si j'avais fait tout ça, tout ce découpage-là, devant vous, je vous dis, vous imaginez le nombre de vidéos que j'aurais fait, quoi. Donc, voilà. Alors, attendez voir. Donc, la page, elle va se mettre comme ça. C'est la hauteur, c'est comme ça. Oui. Je reprends ça. Oui. Voilà. Donc, ça, ça va être la hauteur. Donc, là, ça, je le colle là. Celui-ci, je le colle là. Et celui-ci, je le colle là. Voilà, d'accord. Allez, on y va. Hop. Allez, celui-ci, on va mettre la colle. Ben, en plus, elle sait que je sors pas, donc du coup, elle sait qu'on est confiné, donc elle doit se demander ce que je fabrique. Pourquoi je ne lui ai pas répondu, la pauvre ? Bon, après, les personnes âgées s'ennuient. Bon, c'est vrai que je vais faire de la marche avec elles bien souvent. Quand le temps nous le permet. Et puis, du coup, ben, bon, voilà, quoi. C'est une personne qui est très dynamique. Alors, du coup, elle n'arrive pas à rester à la maison, à rien faire. À part, bon, bien sûr, c'est une personne qui fait beaucoup de choses. Donc, elle sait faire beaucoup d'activités, donc voilà. Je vais mettre un peu de colle là parce que c'est vraiment tout fin. Voilà. Zut. Je mettrai un ruban là, tout autour. Je ne l'ai pas encore prévu. Voilà. 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 Et là, le problème, c'est que si je ne mets pas un aimant, ça ne va jamais se coller. Zut. Un aimant ou un ruban, mais il faut quand même que je mette quelque chose. Hein. Alors, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas coller cette page. Voilà. Je ne vais pas la coller parce que je n'ai pas trop le choix. Donc, je ne sais pas ce que je vais mettre dessus, mais celle-là, je ne vais pas la coller tout de suite, dans l'immédiat. Voilà. Donc, ça, ça fait comme ça. Hop, comme ça, comme ça, comme ça. D'accord? Voilà. Là, je vois que c'est du double face. Ouah, ça me brûle le doigt. Voilà. Donc celui-ci, je vais le mettre comme ça, voilà, et je le ferai donc tout à l'heure. Donc voilà, ça, là ça va. Ah ben celui-là, bon ben ça va aller là-dedans, on est d'accord. Zut. Ben. Alors, ben écoutez, là il faut que je réponde, mais il me reste plus que cette page-là à faire, d'accord. Donc je vais la faire et je vous montrerai ça quand j'aurai tout fini. Voilà, eh bien écoutez, je vous dis merci beaucoup d'être venu et à très bientôt et scrapez bien. Au revoir, au revoir, bisous, bisous.